Europe 1 et vous, 11h, 13h, Olivier Delagarde. Midi 4 sur Europe 1 et vous. Alors que va-t-il rester des Jeux de Paris dans le cœur et dans l'esprit des Français? Bien, pour en parler, Olivier Delagarde, vous recevez à présent Harry Méfon, sociologue spécialiste dans le sport et aussi ancien sprinteur de haut niveau. Et oui, parce que c'est le lendemain de fête, hein. C'est d'ailleurs la question que j'ai envie de vous poser à vous, auditeurs, auditrices d'Europe 1. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que vous avez changé? Vous nous appelez pour le dire, mais vous nous disiez... Au 01, voilà. 80, 20, 39, 21, on le répète jamais assez, on adore quand vous nous appelez et que vous venez nous donner votre avis, pardon, 01, 80, 20, 39, 21, c'est un appel non surtaxé. Bon, et comme vous nous le disiez, nous sommes en ligne donc avec Harry Méfon, bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue, vous êtes spécialiste dans le sport, vous êtes d'ailleurs vous-même ancien sprinteur de haut niveau, m'a-t-on dit? Oui, effectivement, j'ai eu le record de France universitaire sur 60 mètres et j'étais dans les années 80 le 10e français au niveau du sprint. J'ai fait du 100, 200 mètres et un peu de 400 mètres à mon époque. C'était une époque où on courait aussi les sélections olympiques. C'était aussi une belle époque. C'était les années 80, les années Lewis, les frères Barré, enfin Herman Panzo. C'était vraiment une belle époque. C'était aussi une belle époque de l'athlétisme français. Bon, mais si on vous passe un coup de fil, vos souvenirs sont intéressants et cette période, je l'ai connue, donc évidemment, elle résonne en moi extrêmement, de manière extrêmement favorable. Mais c'est plus pour parler d'aujourd'hui, de la société française. Est-ce que ces Jeux Olympiques de Paris, à votre avis, qui sont un succès, hein, est-ce qu'ils peuvent avoir des conséquences sur l'humeur à venir des Français? Bah oui, c'est tout d'abord, ces Jeux ont révélé le potentiel sportif français qui n'était pas attendu. Bon, quand on voit le bilan sportif en tant que tel, puisque c'est les 64 médailles françaises olympiques est un record, 16 or, 26 argent, 22 bronze, c'est un score jamais atteint, donc qui montre la potentialité du sport français. On a vu l'émergence de nouveaux talents, de nouvelles pépites comme Léo Marchand. On a vu la force des sports collectifs, puisque les équipes de basket, football, handball, avec des fortunes diverses, sont arrivées en finale, avec le triomphe des volleyeurs. Donc ça montre un savoir-faire français qui était sous-estimé, puisque le sport avait été désconsidéré. On ne voyait pas aussi tout ce qui s'est produit au niveau de l'organisation de ces Jeux, avec une mise en système du sport français autour de la performance, avec tout ce qui s'est fait autour de l'Agence nationale du sport, autour de la haute performance. Donc il y a quand même, il faut saluer ce succès qui était méconnu, un travail de l'ombre, et on peut dire que le sport, les sportifs surtout, se sont pris en charge pour relever le défi olympique qui était, pour pas le scepticisme ou auquel on ne croyait pas, et qui montre aussi que le sport n'a pas sa juste compréhension au niveau de la société française, mais là ça a quand même accordé le public français avec les sportifs, et on a vu les frères Lebrun, enfin dans beaucoup de disciplines qui n'étaient pas forcément ni perçues. C'est intéressant ce que vous dites, Harry Méfon, parce que ce que vous mettez le plus en avant, ce sont donc les résultats sportifs avant les résultats d'organisation, finalement, avant les résultats politiques, on pourrait dire ça comme ça, parce que l'organisation, c'était de la politique. On est d'accord, mais on est tout d'abord, c'est juste pour remettre aussi en le sport à son lieu, parce que c'est l'utilisation du sport, en quelque sorte l'instrumentalisation du sport qui fait que il y a des gains. Alors c'est vrai que ça passe par l'organisation, enfin il y a un gros travail qui a été fait par le comité d'organisation, mais les résultats, même s'il y a eu de très belles images de Paris qu'on a redécouvert, la beauté française qui a été mise bien en forme par le comité d'organisation, mais c'est surtout les résultats qui ont donné du baume au cœur des fois le public, quand on voit les fous qui ont scandé les noms des sportifs français. Il y a eu un regain de patriotisme, l'amour, je dirais, une sorte de patriotisme qu'on ne retrouvait plus, qu'on n'a plus retrouvé. J'ai pu constater cet encouragement du public qu'on ne voyait pas. Et ça, c'est bien les résultats, c'est bien à partir de ces résultats, parce que si les résultats n'auraient pas été à l'ordre du jour, ben je crois que même le comité, même les belles images n'auraient pas pu faire une fête comme on
on a vu les deux matchs de basket France-États-Unis, ce sont des images, ce sont vraiment des affiches, des images sportives qui resteront. C'est ce qui aussi fait partie de ces Olympiques et la manière dont les Français se sont battus, les équipes de France se sont battues, les résultats acquis, les victoires de Teddy Riner contre le Japon. Il y a eu des affiches, par exemple, France-Japon, France-États-Unis, France-Norvège. Ce sont vraiment des images c'est des images mythiques et ça, c'est aussi très important. Le marchand, les victoires de natation, c'est aussi le sport qui permet de pouvoir, qui a contribué fortement, les résultats sportifs qui ont contribué réellement au succès aussi de ces Jeux. Donc ça a apporté du baume au cœur aux Français, mais est-ce que ça peut durer un petit peu ? Alors là, c'est la question, ma grande inquiétude, parce qu'après, il y aura, comme vous avez titré, la politique va reprendre ces Jeux, mais aussi l'économie, parce qu'il faudra aussi faire les bilans de tous ces Jeux. Je sais que les dépenses ont été énormes, maintenant il faudra savoir combien ça a coûté et combien ça coûtera aussi aux Français. Et ça, c'est aussi les conséquences qui sont, et surtout voir comment, je pourrais revenir aussi au sport, comment le sport va être organisé, puisque si le sport, bien on parle de sport de haute performance, de haut niveau, qui quand même correspond à une infime partie du sport, des pratiques sportives, des pratiques dans le quotidien, des pratiques dans les programmes scolaires. Et on va voir, est-ce que ça va être suivi de faits et d'effets, puisque c'est sûr qu'il y aura un effet, comme à chaque Olympiade, les clubs vont accueillir beaucoup plus de pongistes, de judokas, des pistes. Mais par contre, est-ce qu'il y aura réellement une continuité ? Est-ce que le goût aux pratiques sportives va réellement mis dans la cité, même si beaucoup d'équipements neufs ont été construits, mais aussi il faudra savoir si ça va être dans le quotidien et c'est quelque chose qui va se continuer. Je parle de la place de l'éducation physique dans les programmes scolaires et aussi les possibilités de pratique dans le quotidien et aussi le goût au sport, c'est-à-dire on va voir une amélioration dans le quotidien et aussi l'accès aux pratiques, puisque ce qui aussi est important au niveau du sport, c'est pas tant, même si les résultats sportifs font rêver, mais la dure réalité du sport, parce que on peut dire que l'accès aux pratiques, ça coûte, c'est un coût. Est-ce que ce sera popularisé ? Est-ce que ce sera populaire en termes de la fameuse perception de la démocratie réservée à tout le monde ? C'est aussi des questions qui se devront être traitées par les fédérations, par les gens qui sont en charge. On va voir tout ça. Vous restez en ligne avec nous, Harry Meffon. Vous savez, le principe de cette émission, c'est que les auditeurs d'Europe 1 nous appellent et nous sommes en ligne avec Alexandre. Bonjour. Bonjour, messieurs. D'où nous appelez-vous ? Je vous appelle de Normandie. Eh bien, vous avez beau temps en Normandie, j'espère. Et on a un temps magnifique. Eh ben, vous avez bien de la chance, c'est une région magnifique. Comment est-ce que vous avez vécu ces Jeux ? Écoutez, moi je les ai vécus de manière formidable. Déjà, dans un premier temps, on avait la chance d'avoir toutes les délégations chinoises à l'entraînement en Normandie, donc ça nous a fait vivre les Jeux un petit peu de l'intérieur, finalement, donc qui était quand même... Vous avez dû bien rire ! Qui était une expérience assez sympa. Ouais, je plaisante parce que honnêtement, on ne trouvait pas très très souriant aux images télévision qu'on pouvait voir. Écoutez, j'ai eu la chance de croiser les délégations des joueurs de tennis chinoises. Écoutez, ils étaient très gentils et plutôt contents de l'accueil que réservaient les Français. Donc déjà, ça partait d'un bon sentiment. Et puis après, les Jeux. Moi, j'ai trouvé que c'était un formidable vecteur social pour notre pays, parce que j'étais le premier à être extrêmement sceptique sur ces Jeux Olympiques, même si je suis extrêmement fier d'être français en termes d'organisation, toutes les questions et le questionnement qu'il y avait. Mais j'ai trouvé que dès l'instant, dès la cérémonie d'ouverture et puis le rugby à 7 qui a mis vraiment dans la danse tous les athlètes français, il y a eu un engouement qui était juste exceptionnel. Et moi j'ai trouvé que ça a été c'était presque une parenthèse enchantée. Maintenant j'espère que tous les Français qui étaient fiers de notre nation et de nos sportifs vont pouvoir capitaliser là-dessus pour justement construire sur ces Jeux Olympiques
comme disait votre intervenant juste avant. Maintenant, l'idée, c'est de construire dessus. Mais moi, en tout cas, étant jeune, j'ai trouvé que c'était une réussite juste formidable. Et puis, comme tout un chacun, j'ai vraiment vibré devant tous les sports. Il n'y avait pas un sport qui me tenait à cœur en particulier. J'ai véritablement vibré devant tous les sports. Donc pour vous, et c'est intéressant hein, ce que vous nous disiez, puisque vous n'étiez pas particulièrement emballé par ces Jeux Olympiques, vous avez l'impression au bout de ces deux semaines que quelque chose a changé dans la société? J'ai l'impression que les Français ont retrouvé leur état d'esprit légendaire. Alors le Français, on râle tous les jours, on n'est jamais content, notre pays, il y a toujours des choses à revoir. Mais j'ai trouvé qu'on avait mis en lumière tout ce qui faisait la beauté de la France. Et avant la beauté des monuments et des paysages français, c'est aussi le cœur de tout un chacun et l'état d'esprit français. Comme on dit toujours, impossible n'est pas français. Et les Français sont toujours capables de se relever et de montrer au monde qu'ils sont capables de faire des choses légendaires et de grandes choses. Et je trouve qu'on a montré ça, donc il faudrait voilà capitaliser sur ça dans les années à venir, je l'espère. Et que cette fraternité qui était vraiment visible pour tout le monde, qu'elle reste et qu'elle dure dans le temps. Eh bien, merci beaucoup Alexandre de nous avoir passé ce coup de fil depuis la Normandie. Harry Méfond, vous êtes encore avec nous. Vous venez d'entendre ce que nous disait cet auditeur d'Europe 1. C'est intéressant, hein, y a cette idée quand même que ça peut-être... aider à un nouveau départ, n'exagérons pas, mais en tout cas améliorer un petit peu le vivre ensemble entre les Français. Tout à fait, mais c'est ce que je vais exprimer dans mes propos. Mais surtout, quand on voit les analyses de l'extérieur des journaux internationaux, ces jeux ont révélé l'ambition française. C'est-à-dire, vous avez, et l'auditeur tout à l'heure a parlé de la fierté nationale. Ce sont des sentiments qui sont souvent, on parle des termes qu'on va peut-être encore entendre, le déclinisme, de pas mal d'aspects un peu négatifs de la société française, et aussi au niveau du vivre ensemble des individus. C'était aussi le moyen de la connaissance de l'autre. Et bien, il y a effectivement connaissance des directions étrangères, l'accueil. Et ça, ça a vraiment un grand sens de cohésion sociale et aussi de prendre conscience tout n'est pas forcément si mauvais qu'on le croit quand on voit tout ce qui se passe dans le monde à l'extérieur, à proximité de chez nous. Je parle de en Europe, en Ukraine, ou même dans le Moyen-Orient. Donc il y a quand même de quoi être, je dirais, créer du bonheur, de la joie, mais aussi du bonheur dans les temps où la société française était réellement en plein doute, et peut-être les doutes vont encore recommencer, mais il y a de l'ambition. C'est ce que l'ambition, il y a de la fierté. Et ça, pour moi, c'est aussi le sport qui... Je ne dis pas, je crois qu'il n'y a que le sport qui peut révéler cette impensée, ces choses cachées qui sont au fond de nous et qui se déclenchent, qui on dit bon, on est sceptique, et après, on est convaincu. Ça aussi, c'est ça aussi qu'il faut comprendre et aussi arrêter de voir, je dirais, le verre à moitié vide. Bon, mais je vais me faire l'avocat du diable, Harry Méfond. J'ai l'impression que le discours que vous tenez, c'est celui qu'on tenait également en 1998, après la première victoire des Français en Coupe du Monde de foot. On avait parlé de la génération black-blanc-beurre. Finalement, ça n'avait pas tenu très longtemps. Alors, tout à fait d'accord. C'est la vigilance qui, pour moi, et dans laquelle on n'est pas tombé encore dans ces mêmes travers. La récupération à travers des slogans idéologiques qui ne sont construits sur que des... qu'une idéologie. Et il faut être plus vigilant. Il ne faut pas que ça se reproduise encore. Mais le discours, et aussi, il faut aussi que les acteurs du sport prennent aussi en compte, en charge, leur discipline, et aussi proposent et s'affirment un peu plus. Et le discours Black Mamba a été un discours plus idéologiquement idéalisé et instrumentalisé par le politique, et qui va en faire une récupération. Et c'est vrai que le discours Black Mamba s'est éteint par ce qu'on a vu après, par le social. Mais ça, maintenant, il faut en faire quelque chose. Alors, se dire
qu'ils font taire quelque chose, c'est bien, mais aussi il faut que les individus du sport aussi s'affirment un peu plus et aussi se fassent respecter, puisque et mettre aussi le sport et surtout le corps, les activités corporelles, puisque c'est pas seulement que le sport, au centre des perspectives de développement social, développement économique, et ça ce n'est pas forcément gagné, mais il faut être vigilant par rapport à ça. Donc il y a des réflexions, des analyses à porter, mais d'analyse c'est évidemment porté aussi par le monde du sport qui est trop souvent absent des discours et absent aussi de la réalité et aussi absent de l'économie. Ben merci beaucoup Harry Méfon, sociologue spécialisé dans le sport, ancien sprinteur de haut niveau. Merci d'avoir été l'invité d'Europe 1 et vous.